parce qu'avec tout ça, on continue. On continue de faire toute une scène pour développer l'estime des jeunes, pour soutenir la motivation scolaire et pour faire rayonner la culture en français. Secondaire en spectacle, on fait toute une scène pour des jeunes passionnés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Christelle Lévesque, et je serai votre maître de cérémonie ce soir. Cette année, ce sont 6 élèves de l'école qui auront l'opportunité de s'épanouir sur scène, de faire des apprentissages significatifs et qui expérimenteront le monde du spectacle. Ce soir, 2 numéros, toutes catégories confondues, seront choisis par les membres du jury pour représenter l'école polyvalente Nicolas Gatineau au final régional qui auront lieu le 30 mars et 31 mars au campus Gabriel-Roy du Cégep de l'Outaouais. De plus, pour vous divertir pendant la délibération des juges, les élèves de la concentration danse de la polyvalente Nicolas Gatineau viendront vous présenter quelques numéros. Soulignons la présence des membres du jury qui auront la lourde tâche de déterminer les lauréats de la soirée. Notre premier juré est Marc-Pierre Galipeau, directrice artistique de l'événement La Relève culturelle de Gatineau, et elle est elle-même chanteuse. Notre deuxième membre. Notre deuxième membre du jury est Amaranta Quintana, qui est chargée de projets chez Culture Outaouais et experte en médiation culturelle et en développement de projets artistiques. Notre troisième et dernier membre du jury est Christine Pelletier, enseignante de primaire aux élèves du programme sport-études de la polyvalente Nicolas Gatineau. Les gagnants des finales régionales se tailleront une place au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se tiendra en mai. Il s'agit du plus grand rassemblement d'artistes amateurs de secondaire au Québec. Votre soirée sera agrémentée par l'équipe d'animation qui concourt la chance de se rendre aux finales régionales et au rendez-vous pan-québécois. Il s'agit de Loïc Dumoulon et de Laurent Lalonde. Leur rôle sera de vous divertir pendant les transitions techniques des numéros. Et ces transitions techniques seront effectuées par les jeunes techniciens qui s'assureront du bon déroulement du spectacle. Il s'agit d'Ariane Deshaies, Geneviève Perrault, Léa Hébert et Félix Latour. Merci à vous, cher public, de vous être déplacé pour apprécier et encourager l'énergie et la passion de nos jeunes artistes. Bon spectacle à tous! Salut Loïc, content de venir à l'école? Ouais, ben, tu sais, je te dirais que les vacances sont pas mal passées vite, là. Ouais, c'est sûr, mais je vais tout de suite te dire, là, tu te rappelles de notre groupe, j'espère, en tout cas, j'espère qu'il va être plus sympathique que l'année passée. Mais on sait jamais. Ouais, ben, tu sais, moi, c'est plus la qualité des profs là, qui m'inquiète parce que, tu sais, l'année dernière, ça dépend quel, là, mais il y en avait. Ish. Mais, tu sais, au pire, s'ils sont plates, ben, je vais encore pouvoir dormir comme l'année dernière. Ouais, c'est sûr, mais moi, je me demande vraiment s'ils vont être capables de survivre à notre groupe. Si tu te rappelles de notre groupe, là, tu te rappelles, tu sais, c'est l'année passée, c'est pas si long que ça, là. Mais là, ce groupe-là, là, il faisait fuir les remplaçants, là. Quand, après une période avec nous, là, il y avait peur. Leur face était effrayant. Par contre, tu sais, comme d'habitude, là, les profs, quand ils rentraient, là, c'était la morale. La fameuse morale, là. On l'a tout entendu, n'est-ce pas? Hein, Loïc? Ben oui, mais tu sais, il faut prendre le bon côté des choses, là. Ça fait des belles futures souvenirs. Ouais, c'est sûr. Bon, ah ouais, là, il faudrait pas arriver en retard au premier cours, là, puis en plus, à la première période, tu sais, ça nous fait pas une très belle réputation. Ouais, ben, tu sais quoi, là, je me suis acheté un masque pour cette occasion, là, ah, oui. Puis je vais même le mettre, puis on verra leur réaction, okay. Puis on verra ce qui va se passer, OK? OK. Je suis prêt, là, on y va? Ouais. Eh ouais!
Pour débuter le spectacle, voici Alexis Gauthier qui vous impressionnera avec ses tours de magie, dont on le surnomme l'incroyable magicien. Là, ouais, OK, c'est bon. Est-ce que ça va bien, tout le monde? Oui! J'ai pas entendu, est-ce que ça va bien? Oui! Avant de commencer le tour, j'aurais besoin de quelqu'un ici dans la salle. Quelqu'un voudrait venir? Tu prendras pas quelqu'un du public, c'est moi que tu vas prendre. Toi? Oui. OK, applaudissez Christelle. Donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai un jeu de cartes avec 52 cartes différentes. Et Christelle, tu vas plus rendre un peu moins que la moitié du jeu. Je te laisse. OK. Donc, Christelle, vous voyez tout le petit paquet qu'elle a coupé. Et maintenant, je vais mettre les cartes en dessous de la table et je vais faire deux prédictions. Donc, c'est parti. OK, ça fait combien de temps que tu as de la magie? Presque 2 ans. OK, et t'as pris ce tour-là où, en fait? Sur YouTube. OK, ça a dû te coûter cher. À peu près 3 $. Ouais, OK, mais c'est par mois ou par année? Par mois. Ouais, ça doit coûter cher par mois. T'as parlé, tu utilises 12 mois de l'année. Ouais. Donc, ça va être bientôt prêt. OK. C'est mieux de le réussir, ce tour-là. Ouais, OK. Donc, on va regarder. OK, donc, tout le monde, on voit un 10 et un 6. Tout le monde le voit? Ouais. 10 plus 6, ça fait combien? Ce serait fou qu'elle ait pigé exactement 16 cartes. Vas-y, tout le monde, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 cartes exactement. OK, OK. Mais c'est pas tout, parce que entre les deux cartes. Ça serait fou aussi qu'il y ait 16 cartes, non? OK, tout le monde, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 cartes! Oh! OK, OK. Bravo. Bravo, tu l'as eu. Je le sais. Pour continuer avec le deuxième tour, est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà menti dans sa vie? Eux qui disent non, je vous crois pas. C'est impossible. Est-ce que vous savez c'est quoi un polygraphe? Oui, exactement, merci Christelle. Un polygraphe. Un polygraphe, c'est ce qu'utilisent les policiers. En fait, on appelle ça aussi un détecteur de mensonges. Donc, ici, on va créer ensemble un détecteur de mensonges avec 8 cartes. Je vais aller chercher tous les rois et toutes les dames. Donc, je vais aller prendre tous les rois. Et Christelle, dans ce tour, tu pourras me mentir, si tu veux. Oh, nice! Ouais. Donc, on a le roi, une dame et un roi et un roi. OK. Donc, on devrait avoir 8 cartes, théoriquement. Ouais. On a les rois ici et les dames. Et là... C'est moi ou tu manques une dame? Oh, ouais. Attends, je vais aller la chercher. J'ai sûrement dû la passer. Ah, et voilà. Elle était cachée. Ouais. OK. Donc là, Christelle, je vais rassembler toutes les dames et tous les rois ensemble. Et tu vas mémoriser une carte et tu vas la pointer celle que tu veux. Je vais pas regarder. Vas-y. OK. On va prendre celle-là ici. C'est bon? Vous l'avez vu? OK. Super. Donc là, je vais faire 3 analyses avant pour préparer bien le détecteur et je veux que tu me dises absolument la vérité. Et je vais vous montrer certaines cartes et je veux que vous criez tout ensemble si vous voyez la carte de Christelle. Évidemment, je vais m'assurer qu'il dit sa bonne réponse quand ouais. même. Donc, c'est parti. Donc, on fait 3 analyses. Et maintenant, est-ce que la carte de Christelle se retrouve là? Oui. Ouais? OK. Deuxième analyse. Est-ce que la carte de Christelle se retrouve ici? Oui.
OK. Et la dernière analyse. Est-ce que la carte de cristal se retrouve ici? Non, vraiment non. Pas. OK. Là, je vais faire deux paquets. Et là, Christelle, je vais te poser des questions et je veux que tu me dises, tu auras le droit de me mentir ou me dire la vérité. Là, vu que pour pas qu'il y ait d'embrouillage, il y aura juste Christelle qui va répondre parce que sinon, il y en a qui vont dire un mensonge et d'autres qui vont dire la vérité. Donc, Christelle, pour commencer, est-ce que ta carte était un roi ou une dame? C'était une dame. Faux. C'était un roi. OK, t'as raison. Maintenant, ton roi était-tu rouge ou noir? Il était rouge. Rouge? Faux. Il était noir. Tu commences vraiment à m'énerver, tu sais. Ton roi noir était-il de pique ou de trèfle? Il était de pique. Bravo, tu dis la vérité. La vérité, c'est bien de dire la vérité des fois, Christelle. Ouais. Et, en fait, quand on y pense, ta carte, c'était-tu le roi de pique? Ouais, mais tu sais quoi? Moi, franchement, je t'en ai, je m'en vais. Voyons, prends pas ça de même. Merci, public, vous avez été excellent! Hey Loïc! Encore toi? Ben oui, c'est moi. Hey, il est passé où ton super masque? Hey, faut que je t'apprenne quelque chose. À l'école, là, t'as pas le droit d'avoir un masque là, qui va tout couvrir ton visage. Mais ça, tu sais, moi je savais pas. Donc on me l'a confisqué. Je suis insulté. Hey, ça, en tout cas, c'est vraiment pas fort, hein? En plus, avant ta toute première période de l'année. Ouais, ben là, achante-toi pas trop sur moi. Là. Check la gang de pas vite là-bas. T'es déjà en train de se tirailler, là. Tirailler à côté des ordis. J'ai hâte de voir le prof sa réaction, hein. Ouais, ben c'est sûr que ça, c'est encore moins fort que toi pis ton superbe masque. Ouais, là. Hey, je te l'avais pas dit, là. Avant que le cours commence, là, faut que je te montre quelque chose. Je pense à acheter un deuxième. Un deuxième. Wow, oh, il est bon. Hey, je suis capable. Ok, je te gage 20$ qu'il va même pas durer 20 minutes. Ben, moi, je te gage le double qui va durer 21 minutes. Ok. On verra ça. 1, 2, 3, go! Pour poursuivre, voici Juliette Deslauriers qui vous interprétera Entre l'ombre et la lumière de la chanteuse Marie Carmen. Ça sert à quoi de faire semblant de rire? Ça ne m'amuse pas de te voir partir. J'en mourrai pas. J'ai l'habitude des plaisirs qui ne durent pas. Je tombe. Ça sert à quoi? Pas besoin de me
n'ai vu que ça. J'ai le cœur qui meurt de faim. Je tremble. Je compte les heures et je me retiens de t'attendre. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin. Je tombe, la lune monte, monte. Oh, ça me sert à quoi? Ça sert à rien, je connais déjà le chemin. Bon, Laurent, moi, j'ai la cave. Est-ce que tu t'en viens? Je vais passer par la cage d'escalier. Non, moi, je vais plutôt aller regarder si Mick, il va venir avec nous, parce que, tu sais, on sait jamais il est où, lui. Mais fais attention, hein, si tu te rappelles bien de l'année passée, parce que faut faire des rappels. Ces endroits-là, là, faut le savoir. C'est sombre, c'est lugubre, c'est très dangereux, le hic. Faut faire attention surtout, là, faut le préciser. Au reste de jus et de nourriture sur les planchers, ça, ça peut faire mal. Ouais, ouais, ben, t'sais, j'ai essayé de faire attention, là, mais je peux rien te promettre, OK? OK. Tantôt. Tantôt. Allô? Ah, OK. C'est vraiment important, hey, là-dedans. Respire, Loïc. Dis-moi le. Ça va? OK. Ouais, je pense. Pas. Là-dedans, là, genre, je suis sûr qu'il y a des écureuils enragés de la mafia russe, puis même peut-être des motards, ça dépend, là, des jours. Mais c'est vraiment dangereux, puis ça a vraiment de leur faire peur. Là. Bon, mais là, si t'as aussi peur que ça, prends les escaliers qui sont juste là, ils sont juste un peu plus loin, là, comme tu peux voir. Mais ils sont tellement loin, là, puis genre, j'ai tellement arrivé en retard, c'est que je vais par là, puis j'ai la flemme d'y aller. Ben là. Tu vas faire quoi pour aller manger de bord? Laisse-moi réfléchir un peu. Ben, je vais courir. T'es sûr? Ouais. OK. OK, ben, à tantôt. YOLO! Il est fou, lui! Salut, Nicolas Gatineau, fais du bruit! Hey! Ouais! Alors, non, je ne suis pas Christelle Lévesque, mais je viens vous présenter le prochain numéro. Alors, poursuivons en chanson avec Christelle Lévesque qui vous interprétera « Si t'étais là » de Louane. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir.
pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Loïc, ton casier, là, y'a pas de cadenas! Ouais, ok. Pis, ça veut quoi? Ben là, t'as pas peur de te faire voler? Mais là, qui voudrait venir voler mes cahiers dans ma case? Je veux dire, y'a rien d'important là, là-dedans. Je sais pas, moi, mais je sais pas, faut être prudent, là. Non? Ouais, mais tu sais, c'est sûr que si quelqu'un me verrait, toi, avec ton super masque, là, c'est sûr que tu serais le criminel idéal. Mais là... Bon, là, anyway, faut pas qu'on arrive en retard, là, en classe. En retard? Il reste 10 minutes, là. Non, je parle pas en retard de ça. Tu sais pas de quoi je parle? Mais... Je parle de la guerre en arrière, comme d'habitude. Les filles et puis les gars. Oh oui, ça! Ah ouais, c'est vrai, ça se bat. Mais ça se bat pas vraiment, ça s'écœure. Ouais, c'est sûr. Bon, ben, faut y aller d'abord si on veut pas manquer ça, là, parce que... Il y en a des bons des fois. Ah oui. Voici Catherine Bougeot qui vous chantera la chanson Faille de Samantha Neves. De ma détresse, m'a fait croire que ma lumière est une faiblesse. Je t'en voulais, mais je restais malgré tout. Tu as laissé une tache sur ma jeunesse, et j'avançais dans la crainte de tes promesses. Je m'en voulais, mais je restais malgré tout. Mais où ça nous mène? Mais où ça nous mène? Quand le temps se traîne chaque jour, mais qui nous ramène, quand tous nos échos deviennent sourds. Je ne t'en prie pas au travers des failles, au travers des failles que tu laisses pour moi. Toi, tu resteras au travers des failles, au travers des failles, loin derrière mes pas. Tous les rêves qui m'attendent encore, ils m'ont fait oublier les torts. Je te laisse tomber dans tes failles. Tu m'as toujours fait douter de mes richesses, et moi souvent je t'ai cru, je le confesse. J'en perdais la vérité qui devenait floue. J'ai jeté la faute à tes maladresses. Tu savais me garder dans ton ivresse. Mais où ça nous mène?
mais où ça nous mène quand tous nos échos deviennent sourds. Je ne tomberai pas au travers des failles, au travers des failles que tu es pour moi. Toi, tu resteras au travers des failles, au travers des failles, loin derrière mes pas. Tous les rêves qui m'attendent encore, ils m'ont fait oublier les torts. Je te laisse tomber dans tes failles, mais où ça nous mène, mais où ça nous mène, quand tous nos échos deviennent sourds. Je ne tomberai pas au travers des failles, au travers des failles que tu laisses pour moi. Toi, tu resteras au travers des failles, au travers des failles, loin derrière mes pas. Merci. Hey, salut Laurent, tu manges quoi toi aujourd'hui pour dîner? Ouais, oh, tiens, classique, classique. Là, je vais te raconter quelque chose. Moi, je mange, là, tu vas être étonné sûrement, là, les restants d'hier. Hey, moi, je mange du spaghetti avec un muffin. Rien que ça? Ouais. Ah. Okay. Toi, tu manges quoi? Ben, je suis fidèle, non? Fidèle? Hein? Ben, oui. À CAF, je vais tout le temps, 7 jours sur 7, 21 sur 24. Ben oui, même le week-end. Ben oui, je fais des prévisions, sinon tu penses que je fais quoi? Ben là, tu fais quoi? Ben, tu vas peut-être manger de la vraie nourriture. Ben, c'est de la vraie bouffe, non? Ouais. Ben là, sinon... Tu veux des rabais, peut-être? Tu veux-tu des rabais? Parce que tu sais, tu y vas souvent, là. Peut-être des rabais à un moment donné, là. Oh, ou le tiers cadeau. Oui. Oh, 15 piastres. 15 piastres, là. Je sais pas si vous êtes au courant, là. En tout cas, je sais pas si t'es au courant, mais tu dois, vu que t'es fidèle. C'est une piastre à peu près de biscuits à CAF. Donc, t'auras 15 biscuits. 15? Pour un carte cadeau de 15 piastres. Hey, tu sais quoi? J'allais pas proposer ça. Puis, tu sais, en plus, peut-être qu'ils vont me donner genre 50% des revenus. Peut-être. Mais, hey, essaye. Hey, tu me rapporteras un biscuit, là. Non. Bon. T'es donc un chien. Va venir. Ben. Toi, le français, t'aimes-tu ça? Ah non, non, regarde. Attends, on est en français, là? Ouais. Mais attends, on fait quoi, là, aujourd'hui? Ben, c'est les orales, tu sais, les orales, c'est facile. Moi, j'aime ça, les orales. Moi, je parle tout le temps. Un oral? Oui, oral. De quoi tu parles? Hey, moi, t'as quelque chose. Okay, encore, parce que moi, je t'apprends beaucoup de choses, tu me connais. C'est 3 semaines. Okay, tu sais, c'est quoi 3 semaines? Ça va faire 3 semaines que la madame en parle, Loïc, puis t'as encore pas retenu. Je t'en ai parlé hier, non? Hey, devine quoi? C'est même sur le portail. Hey, t'es drôle, hein? T'es tellement drôle, là. Arrête donc de me niaiser, là, madame. T'en pas? Ok, oui, je t'en niaise. Il est pas sur le portail, comme d'habitude. Mais oui, c'est vraiment aujourd'hui 0. Ok. C'est à cause. T'as une aura. Attends, je dis ça, ça. Oh oui, je pense que j'ai juste l'introduction. On est en équipe, hein? Non. Plus individuel qu'existe ce projet-là. T'aurais essayé, par contre. Ah ouais. Oui, on va s'asseoir, là, avant que le cours commence. Hey. Mais tu sais, au pire, je dirais à madame que j'ai. Oublié. Franchement, 3 semaines, hey. J'aurais essayé. Bon. Loïc, c'est toi qui vas commencer pour les présentations orales. Oh non! Oh non! Ah oui! Oh non! Oh oui! Ah ouais, on y va, Loïc!
Veuillez accueillir maintenant Dominique Goodman qui vous présentera une création partielle à la batterie. Enfin, c'est la dernière. La dernière quoi? Ben, évidemment, là. 1, 2, 3, 4.
quatrième période, dernière période. Ah, OK. Puis on a en quoi? Ben, en anglais, tu sais. Ah non, pour la journée, en anglais, là, s'il te plaît. Ouais, non. En anglais, qu'est-ce que tu veux? Non, mais viens-t'en, viens t'asseoir. Ouais, faut pas s'asseoir. Hey, Lake! Ouais? Tu peux faire un bon 30 minutes, là? Non, ça va être 10 minutes. Yeah. Enfin! Yeah. Libéré! Délivré, comme dirait Reine des Neiges. Ouais. Bon, ben là, bah ben la journée était longue, là, mais moi je m'en vais avant qu'il me retienne plus. Ouais, moi aussi, parce que ça me tombe peu plus. Peu plus, moi, de la journée. Là. Tout le temps long. Est-ce que vous êtes toujours chaud? J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes toujours chaud? OK, alors, comme dernier numéro en concours, je vous présente Océane Dupont qui vous chantera une chanson tirée de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, intitulée Lune, interprétée originalement par Bruno Petit. Encouragez-la, encouragez-la bien fort! S'allume sur les toits de Paris, vois comme un homme peut souffrir d'amour bel, astre solitaire qui meurt quand revient le jour. De celle qu'il aime, d'un amour mortel. Ses pavots s'envolent pour arriver jusqu'à toi. Lune, veille sur ce monde étrange qui naît, sa voix au cœur des anges. Loïc? Oui? Ta semaine de relâche? Oui? As-tu fait quelque chose?
d'après toi? Non. Ben oui, j'ai gamé. Ça se voit pas, je veux dire. Oui, ça se voit, les, tu gagnes tout le temps. Quelque chose oui, c'est d'autre. Vrai. C'est vrai. Attends. Je suis allé skier. Non. Oui, je te jure. T'es sorti de la maison. Oui. Incroyable. Je sais. Incroyable. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, tu veux savoir ce que moi j'ai fait? Ouais. Ouais, s'il te plaît. Imagine-toi là, je suis allé à un chalet. À un chalet. OK. J'ai fait du skidoo. C'est quoi du skidoo? Non, je sais pas. Ça s'appelle une motoneige. C'est une moto qui va dans la neige. Ah, oh, OK, c'est ça. Il me semblait aussi. J'ai fait du patin. Mais je suis pas bon en patin. J'ai des bleus partout ses jambes. Pis t'as pas que dans le front, t'expliques ça comment? J'ai peut-être foncé dans un arbre en glissant, mais ça c'est un détail là. C'est boche. Un petit mal de tête de temps en temps, mais c'est... Ouais. Mais sinon là, on est d'accord, toute bonne chose une fin? Ouais. Pis là on c'est est revenu ben à l'école. C'est bien trop court. Ouais. Mais bon, on se remonte la morale en disant qu'il reste 73 jours avant l'été! Wouhou! Attends. Hein? T'as oui, compté ça! J'avais rien à faire, OK? Oh, c'est vrai, tu gamais. Oh non, c'est vrai, tu es sorti de la maison, t'allais skier. Tu comptais ça en skiant, hein, Luc? Parce que tu vas pas rien faire en game. Mais non, sinon j'aurais bien foncé dans un arbre. Ah, c'est vrai. Ben, au moins, on t'aurait pas vu aujourd'hui. Ça, c'est très méchant, Laurent. Ouais, bon. Ah ouais, on va y aller avant d'être en retard au prochain cours, là. Ouais. Enfin, la dernière journée. Imagine-toi donc, on a survécu à notre classe et à l'école, à la vie torride de cette école. On a réussi, Loïc. Wouhou, on est des survivants. On va pas dire... On va pas parler du petit Julien dans l'arrière de la classe. Et on va passer l'été. Oui. Bon, en tout cas, je dis que... On en a besoin de ce break-là, hein, parce que... Tu sais, tout le monde est rendu tanné, puis ils veulent tout avoir ce break-là. Parce que, tu sais... À la fin de l'année, là, on dirait juste que les profs ils veulent juste nous garder en classe. C'est vrai. Là. Imagine, il fait tellement beau puis chaud dehors. Là. On pourrait aller faire du vélo, acheter une crème glacée. Puis au contraire, dans les classes, il y a un sauna. Je suis sur le bord de venir, genre, je disais, en maillot. Ah oui. Avec une coconut. Ah oui. Hey, une coconut. Coconut. Puis en plus, pendant ces périodes-là, ben, on fait rien. Je veux dire, les profs, ils nous laissent même gamer sur notre ciel. Puis. Pendant ça, là, ben, l'impact s'est rempli. Ah, mais là, tout le monde envoie des snaps, là, dans la classe. Hey, check, je les prends en photo, man! Ouais! Pis là, après, tu te retournes, là, pis prends une photo, là, pis prends photo. Pis tu sais pas, se ramasse sur ta photo, là. Loïc! Ouais, non? C'est moi qui vais en prendre. Ah, OK. Mais non, sinon, comme t'as dit, là, tout le monde est plus capable de son break, là. On se ramasse tout à l'impact, une autre classe, c'est trois personnes. Ouais. Mais. C'est pas t'sais... grand monde. Ouais, ben, t'sais, c'est sûr, là. À bord Julien, lui, il est plus là. Moi, j'aime bien mieux le début de l'année. Je veux dire, on revient, c'est des nouvelles gangs, des nouveaux profs, tout ça. On a tout oublié de l'année dernière. Puis, tu sais, à la fin de l'été, ben, c'est de notre famille qu'on a besoin d'un break. Ouais, puis comme tu vas sûrement penser, là, ceux qui nous énervaient, on vise personne. On vise vraiment personne. Ouais, hein? Mais toi, là, qui m'énerve. Je t'ai oublié pour deux mois. Les vacances. Juste te dire, là-dedans, je te vise pas, là, mais. Non, mais non, c'est sûrement pas moi qui t'ai visé. Sinon, comment t'es d'accord, là? T'as-tu compté 73 jours exactement jusqu'à cette journée-là? Ouais, 74 jours. Oh, t'es malade. Un peu plus tôt. OK. C'est maintenant le temps de l'entraque. Au retour, vous aurez la chance de voir performer les élèves de la concentration danse et vous connaîtrez la décision du jury. On se revoit dans 10 minutes, tout le monde! Let me talk to you. Let me talk to you. Come on. The whole club was looking at her. She hit the floor.
Mambo number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
a fact. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. But not to you. I love that you mad at me text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, 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 eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of nerve. I don't deserve. So don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. And take it out on you and your best friend too. I should have left when Drew said you were bad news.
was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right? I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. I think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? Sky'd be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? You come over, right? You come over, you come over, you come over, right? But if the world was ending, you come over, right? You come over and you stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you come over, right? The sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you come over, right? You come over, you come over, you come over, right? If the world was ending, you come over, right? Hopping on a red eye.
hacia el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Tiene fuerte bailando y se baila. Merci à la Concentration Danse pour ces beaux numéros. Pour terminer le spectacle d'aujourd'hui, j'aimerais remercier tous les partenaires provinciaux, le Regroupement des unités régionales de loisirs et de sport du Québec, le gouvernement du Québec, la Fédération des établissements d'enseignement privé, la Fédération des commissions scolaires du Québec et le Corps chanson québécois de Petite-Vallée. De plus, on ne peut passer sous silence le travail exceptionnel effectué par les responsables du programme dans l'école, Vincent Lefebvre, Jessica Généreux-Carrière, Lise Gingras et Gabrielle Bélanger. On remercie aussi à Audrey-Anne Paquette, notre coordonnatrice régionale. Un grand merci aux techniciens, aux responsables de la salle, aux jeunes artistes, aux jeunes animateurs et aux jeunes techniciens. Nous vous remercions, cher public, d'avoir été parmi nous et d'avoir encouragé les jeunes passionnés qui nous ont offert le spectacle de ce soir. Voici maintenant Audrey-Anne Paquet, la coordonnatrice régionale, qui vous présentera les gagnantes de ce soir. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Audrey-Anne Paquette, je suis coordonnatrice de programme pour loisirs sport Outaouais et je m'occupe de secondaire en spectacle dans la région. Donc, pour reprendre ce que nos animateurs disaient tantôt, moi aussi j'ai fait du ski durant la semaine de relâche. Alors voilà, me voilà sur scène. Alors, je sais que vous attendez impatiemment que je vous dévoile les gagnants de ce soir. Mais avant, je voulais prendre quelques petites minutes pour vous parler des prochaines étapes du programme secondaire en spectacle. Là, je reprends encore mon souffle là, parce que je viens de monter les escaliers en sautillant, là, je m'excuse. Alors, au niveau de secondaire en spectacle, il faut savoir en fait que la finale régionale en présentiel sera de retour cette année en présentiel au Cégep de l'Outaouais les 30 et 31 mars prochains. Donc, les lauréats de ce soir, tant au niveau jeunes techniciens que jeunes artistes, pourront participer à la finale régionale du 30 mars. Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, j'inviterai tous les participants de la finale de ce soir à me rejoindre sur scène.
Oui, et j'invite aussi les techniciens à nous rejoindre sur scène. J'en profite vraiment pour souligner le talent et le travail exceptionnel de tous les jeunes qui sont sur scène. C'est vraiment... On accueille nos jeunes techniciens, eux aussi, on peut les applaudir. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a passé une très belle soirée et définitivement pour dire que de revenir en salle, un spectacle en présentiel, ça donne vraiment tout son sens au programme secondaire en spectacle. Donc, félicitations à vous tous. Voilà, donc comme je le disais, les gagnants de ce soir vont participer à la finale régionale de secondaire en spectacle, mais ceux qui ne se qualifieraient pas ce soir pour la finale régionale pourront toujours participer en tant que participants libres au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Alors, leur parcours, leur cheminement dans le cadre du programme n'est pas terminé. Alors, sans plus attendre, je vous dévoile les gagnants de la finale de ce soir. Alors, lorsque je vais mentionner les noms, là, les jeunes lauréats seront invités à me rejoindre sur scène. Alors, dans la première catégorie, soit le volet jeune technicien, la lauréate qui se remporte une place pour la finale régionale est Léa Hébert. Donc, félicitations, Léa, pour ton beau travail comme jeune technicienne et on se revoit à la finale régionale. Poursuivons avec la première lauréate qui se mérite une place pour la finale régionale. Donc, elle nous a vraiment touchés avec sa magnifique voix. Alors, la première gagnante pour la chanson « Entre l'ombre et la lumière », c'est Juliette Deslauriers. Félicitations, Juliette. Alors, vous pourrez revoir Juliette en performance le 30 mars prochain. Notre prochaine lauréate, toujours pour, en fait, nos prochains lauréates et lauréats, pour leur numéro « Création totale » dans la catégorie « Variété ». Ils vous ont bien diverti, ils ont réchauffé la salle. Félicitations à Christelle Lévesque et à Alexis Gauthier. Félicitations à vous deux. On espère encore que vous nous révéliez vos trucs. Et finalement, dans la catégorie coup de cœur, donc notons en fait que le numéro coup de cœur pourrait se retrouver en formule hors concours lors de la finale régionale. C'est à la toute fin des finales locales qu'on déterminera quels sont les numéros coup de cœur qui seront invités et quels seront les animateurs qui seront invités parmi toutes les écoles participantes de l'Outaouais. On souligne d'ailleurs le très beau travail des animateurs et maîtres de cérémonie ce soir. Et dans la catégorie coup de cœur, notre coup de cœur s'est démarqué pour sa création partielle à la batterie. Félicitations à Dominique Goodman. Félicitations à tous les lauréats. Si Vincent veut venir nous rejoindre sur la scène, là, je pourrais lui remettre les certificats pour chacun des lauréats. J'en profite d'ailleurs pour souligner le travail de Vincent Lefebvre et de Jessica Généreux-Carrière. Ils ont vraiment fait un beau spectacle. Donc, je les remercie puis je les félicite pour leur dévouement envers leurs élèves puis pour leur implication dans le programme secondaire en spectacle. Donc, merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas s'ils vont venir nous rejoindre là, pour se faire applaudir devant
Voilà, alors il ne me reste plus qu'à remercier nos trois juges, donc Christine Pelletier, Amaranta Quintana et Marie-Pierre Galipeau pour leur implication. Merci à vous, chers spectateurs. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Puis c'est tout pour moi. Je ne sais pas si je devais repasser le micro à notre maître de cérémonie ou... Donc, bonne soirée à tous, puis merci beaucoup d'avoir été présents pour Secondaire en spectacle.